fait le Gotha. Il y a, on va dire, il y a de cela un mois. À l'issue, c'est dit qu'au soir du 6 mars, nous sommes sortis troisième de cette compétition. Le PDC a été premier, le RHDP a été deuxième et le FPI a été troisième. Mais nous estimons que tout le temps que nous avons passé pendant les campagnes, la campagne électorale a été un moment enrichissant pour nous, a été un moment de communion avec les populations, a été un moment de partage avec les populations, a été un moment où on a appris à connaître les populations, on a appris à comprendre les situations, les différentes situations que nos populations vivent. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne sommes pas élus, mais nous sommes là, revenus vers vous, pour vous témoigner notre reconnaissance. Parce que il fut un jour, pendant la pré-campagne, pendant la campagne, vous êtes sortis de chez vous, vous avez pris vos chaises, vous vous êtes assis, vous avez pris de votre temps pour nous écouter. Vous savez qu'on n'a pas la considération pour quelqu'un, on ne s'assoit même pas pour l'écouter. Pour les hommes qui cherchent les femmes, là, comment ça se passe? Quand vous voyez une boue en train de passer, et puis vous voulez la draguer, quand vous l'appelez, si vous regardez comme ça, du bas jusqu'en haut, et puis elle continue sa route. Ça veut dire qu'elle n'a pas votre temps. Vous comprenez? Mais elle n'a pas comme les arrêter. Elle n'a pas le temps de s'arrêter et puis de vous écouter. Ça veut dire vous apprécier. Nous sommes venus vous présenter un projet et vous avez pris le temps de vous asseoir pendant des heures et des heures pour nous écouter. Pour nous, c'est une marque de considération. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus vous dire merci. Merci parce que vous avez été là pour nous écouter. Vous avez été là pour nous assister. Vous avez été là pour nous soutenir. Même si on n'a pas gagné, on n'a pas le droit de vous abandonner. Parce que quand on veut être député, on veut représenter un peuple. Mais on ne peut pas représenter un peuple qu'on ne connaît pas. On ne peut pas représenter un peuple avec qui on n'est pas en contact, avec qui on n'est pas proche. C'est pourquoi pour nous, nous ne voulons plus faire comme les autres générations qui viennent 5 ans. Quand il y a les élections, elles viennent. Et puis après les élections, on les voit. Pour nous, on veut être avec vous. On veut marcher avec vous tout le temps. Pour que, comme le disait l'honorable Pio à notre dernière rencontre, pour que désormais, votre joie soit notre joie. Votre problème soit notre problème. C'est pourquoi nous faisons passer les listes de présence. Pour que chacun mette son contact et son nom. Parce que pour nous, même après l'élection, la vie doit continuer. Et on a besoin d'être au fait de cette vie. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous. Venez vers vous d'abord pour vous dire merci, mais également pour dire que nous allons travailler ensemble. Pour que Gotham puisse vivre. Pour que nous aussi, nous soyons au fait de l'activité de Gotham. Quand il y aura une joie à Gotham, que nous on soit près de vous. Quand il y aura un moment de tristesse, mais qu'on soit près de vous aussi. C'est pourquoi nous sommes là.